Hey, rapido! Ouais, Razmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça, ça fait danser les rats, ça. C'est parti. J'ai inventé et fabriqué le Révorama. Rapido. Machin. Et tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que grâce à mon Révorama, j'ai pu enregistrer le cauchemar que je fais depuis que je suis tout petit et que je vais analyser. Je vais guérir de mon cauchemar du fromage qui va me dévorer. On va le regarder ensemble, tu veux bien? Comme ça, tu vas voir par tes propres yeux que je te raconte pas des salades, que je fais des rêves atroces. C'est que du recyclé. Admirez cette grande télé magnifique avec un couvercle de boîtage sur le tout et relié à l'énergie cosmique. Regarde, c'est magnifique. Wow, comme on voit bien! J'ai peut-être un peu rajouté sur les oranges, mais c'est pas mal. J'ai une super idée, on va l'essayer sur quelqu'un d'autre. On va enfin savoir à quoi rêve l'équipage. J'ai ma petite idée, mais t'as raison, vérifions quand même. Que j'ai pris mes rêves beaucoup trop au sérieux. Depuis tant que je me tue à te le dire, mon petit ratant. Oh. Ah. Mais qu'est-ce que... Rapido, amène-toi, il faut que tu vois ça, c'est incroyable.
C'est ce que rêve le fromage. Il rêve d'un arbre avec des pommes rouges. Partout, regarde là, tout autour. Je sais pas si tu réalises, mais ça signifierait que ce fromage rêve. Ça veut dire qu'il est vivant. Je sais pas s'il est vivant, mais il a l'air bon. Ah, c'est pas ça, non. Arrête, tu le manges pas, non. Ce fromage, là. Tu te rends compte de ce que t'allais faire, espèce de malade. Tu es en train de manger un morceau d'une créature vivante, sans défense. J'ai toujours mon haleine de tueur. Rapido, il faut que tu comprennes que ce fromage... Je coupe un petit morceau. Non. Je t'interdis d'y toucher. Je te dis que c'est une créature vivante avec une conscience. Tu comprends, ma petite chérie? Oh, pauvre fromage sans défense. Je vais te soigner. Tonton Razmo va s'occuper de toi. Tiens, ce sera rien. Tu vas voir, ça va aller. Regarde. C'est bizarre. Pourtant, sa température a l'air normale. Ça devrait faire l'affaire. Voilà, c'est comme un incubateur. Avec ça, tu vas guérir. Et maintenant, je sais d'où venaient tous mes cauchemars. C'était comme des SOS que tu m'envoyais pour me dire de plus manger de fromage. Oh, t'en fais pas, t'as plus rien à craindre. Regarde, je vais vous protéger tous. Et ce sera fini. Comme je vous mangerai plus, vous aurez plus de raison de m'empêcher de dormir en me donnant des cauchemars. Ce pauvre Razmo a perdu la tête et... Hein? Ah, c'est bien essayé, Raz. Allez, encore un petit peu, j'y suis. Je l'ai presque. Non, j'arriverai pas, j'ai les bras trop courts. Il n'y a aucune raison de stresser. Il y en a plein la cale du fromage. Reste où tu es, désolé, défense d'entrée. Cette zone est interdite, Tora. Mais c'est toi qui es interdit, ouais. Donne-moi tout de suite cette clé. Non, pas possible. Ah, je te dis de me donner cette clé. Laisse-moi. Douleur. C'est ta faute, le fromage il est vivant, faut pas le manger. Je le protège, t'as qu'à manger des légumes si t'as faim. Eh, faut que tu sortes de ta cale de temps en temps, faut que tu vois la réalité en face des trous. Les rats ça mange pas des légumes, ça mange du fromage. Cette époque-là, c'est fini. Le peuple fromage a trouvé son sauveur. Salut les gars, ça va comme vous voulez? Ça vous dirait d'aller prendre l'air quelqu'un? C'est pas une bonne idée, tiens, le petit jaune là, tu voudrais pas aller sur le pont voir les étoiles? Histoire de te dégourdir un petit peu les jambes, façon de parler bien sûr. Vous en faites pas, ce sera chacun son tour, je reviens. T'as vu toutes les étoiles qu'il y a, c'est incroyable. Sois pas timide, allez, respire, je te regarde pas, profite du grand air. C'est bon, il a bien pris l'air, on peut le manger maintenant. T'es bouché ou quoi? Comment faut que je te le dise? On touche plus au fromage, on y touche plus, c'est terminé. Sinon, mes cauchemars ils vont revenir et ce sera trop horrible. Raz, reviens ici, Raz, reviens tout de suite. Raz, ouvre cette porte tout de suite. Va-t'en, méchant. Va falloir trouver autre chose, c'est pas ça qui va l'arrêter. Tu crois que tu vas m'arrêter? À grande serrure, grand tournevis. Mais bien sûr, c'est la solution. Je vais tous vous libérer, mes petits frères de lait. Vous serez libres, vous allez fonder des familles. Vous aurez plein de petits enfants jaunes. Au revoir et bonne chance. Va, ouvre la route à tes compagnons. C'est bientôt dévissé. Vite, à toi de connaître la liberté, vite. Tu es libre. Nagez, nagez, petit fromage jaune. Ah, hein? Oh là là là, il y a danger là, j'ai eu un mauvais réflexe, j'ai failli te manger alors que maintenant je mange des pommes. Oh le fou. Ça y est, cette fois j'arrive. Ah, il est déjà vite. Nagez vers le sud, c'est l'Argentine. Attends, je sauve quoi déjà? La pomme ou le fromage? Fromage ou pomme? Oh non! Sauvez-vous, il arrive, partez! Ah, tu te fiches de moi? C'est qui a croqué dedans? C'est moi peut-être? Quoi?
Oh, quelle horreur, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible, je ne savais pas ce que je faisais, c'est une erreur. Je sens que moi aussi, c'est mon tour. Non, rapido, je t'en supplie. Oh, mais qu'est-ce que... Oh, mais... Oh non, ce n'est pas... Parce que... Ouais, ça, c'est de la pomme. Un verre? Ouais, je suis vert, comment t'es trop joli. Ouais, mais j'y suis, ça y est. Et toi qui croyais que le fromage était vivant. Non, mais il y a des moments où ça tourne pas rond, vieux, hein. C'était pas le fromage qui rêvait, mais le verre qu'il y avait dedans. Je suis pas peu fier de l'avoir découvert, ça, tiens. Attends, deux secondes, là, je suis pas d'accord. Bah, faut pas t'en faire, va. Attends, tout le monde peut se tromper, y a pas de problème. Mais je me suis jamais trompé, c'est toi qui te trompais. Allez, c'est pas grave, laisse tomber, tu t'es trompé. Attends, Raz, reviens tout de suite, retire ce que tu as dit. Non, tu devrais te reposer, c'est tout ce que je pense, moi. Mais tu vas pas t'en sortir comme ça, je peux te le dire. Je peux pas te parler, de toute manière, là, je suis en train de manger. Et à bouche pleine, tu peux me laisser. Mais vite ta bouche tout de suite, c'est toi qui m'a empêché de manger. Rase-moi, vite ta bouche tout de suite, j'exige des excuses. Excuse-toi. Je suis désolé, je m'excuserai quand je me trompe. Super sens de l'humour, j'adore ça. Non, j'en suis tout retourné. Je devrais dire qu'un accident, ça n'a rien de marrant. J'aurais pu mourir, moi. Oh là là, je sais ce que je vais faire. Tu vas mettre un casque? Non. Tu vas mettre deux casques? Hé, hey, Razmo, tu veux essayer de battre le record de vitesse supersonique, brum brum? Mon dieu, Razmo, mais qu'est-ce que tu fais? C'est horrible! Ne me dis pas que tu t'es mis à la peinture abstraite! Pas vraiment. Je prépare... un panneau de signalisation! Un quoi? Il faut mettre en place quelques normes de sécurité ici et là. À commencer par 2-3 panneaux! Jusqu'à présent, on s'intéressait qu'à la vitesse, sans jamais penser à la sécurité. C'est dommage. Mais maintenant, les choses vont changer grâce à mon nouveau système de panneaux. Ouais, bon, d'accord, mais maintenant tu viens, on fait la course. Attention! La vie est trop précieuse pour la risquer sur un coup de tête, il faut surtout... Arrête de me prendre la tête avec ton blabla sur la sécurité, je m'en fiche! Laisse tomber, monsieur sécurité, je peux dire que j'ai pas besoin de toi pour battre leur corps de vitesse. On est prié de respecter la limitation de 10 km/h. Ça te va là? Pas trop rapide pour toi? Chrono.
t'as pas lu le panneau? Bah c'est pas grave, je vais te mettre une contravention. Tiens, tu lis ça attentivement. T'as jusqu'au 31 pour payer, si tu dépasses, bon bah après ça sera ma journée, bien sûr. Les limitations de vitesse, c'est pour les bouffons dans ton genre. Or... Qu'est-ce qu'il a dit là? Eh bah celle-là, il a pas volé, bah je vais lui remettre une contravention. Mais ce type est complètement malade, à 2h du mat, il peint des panneaux de signalisation. Rasmus, j'en ai qu'à essayer de dormir. Oula, la nervosité est un vilain canard qui se mange froid. Tiens, tiens, moi j'en connais un qui va battre son propre record de vitesse aujourd'hui. Je peux venir avec toi? C'est vrai, t'es partant mon vieil ami de toujours. Je croyais que ta blessure à la tête t'avait détraqué. Oh merci. Allez viens, c'est par là. Allez en voiture et que le meilleur gagne. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai bricolé une petite amélioration sur nos radboards. Oh là 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 là, une amélioration quoi? Tu vas voir, ça va tenir, c'est sûr. C'est quoi ça là? J'accélère à fond et pourtant on fait du surplace. Vous avez atteint la vitesse maximale. Qui c'est qu'a dit? C'est Steve, ton super ordinateur de bord. Veuillez laisser vos mains à l'intérieur du véhicule. Attention, je suis en train de te dépasser. Rasmo, reviens ici tout de suite. Enlève-moi ce truc débile de ma radboard. Veuillez ne pas toucher au système de commande. Steve est un gentil système de sécurité programmé pour ta protection. Il est très gentil. Et c'est maintenant Villeneuve qui décide de dépasser sur la gauche et qui part le premier dans la ligne droite. N'oubliez pas de regarder des deux côtés avant de traverser la route. Mais ferme ta bouche! Dégage! Hé, hey, attends! Dis-moi, si je me trompe pas, tu es bien programmé pour assurer ma sécurité, oui ou non? C'est exact. J'ai comme priorité absolue de protéger le conducteur en toutes circonstances. Bien! Alors c'est le moment de passer de la théorie à la pratique. Attention, danger imminent. Nous nous dirigeons tout droit sur un hachoir géant. Tu m'as parlé? Changer de direction. C'est incroyable ça! Touche pas à mes commandes, d'accord? Avec ta saleté de main ou je t'en mets une? Ben vas-y, t'es si fort! Ah, ça y est, je te tiens! J'en ai marre! On commençait tout juste à s'amuser! Enclenchement de la ceinture de sécurité 4 points. Système de refroidissement pour le conducteur en surchauffe. Hey! Mais on est où là? Nous sommes actuellement dans le tuyau de vidange du navire. Hey! C'est quoi ce bruit? Non! Alerte jaune. Alerte jaune. Ce truc de fausse dessus! Nous avons atteint la vitesse maximale. Steve, Arasmo, nous sommes bloqués dans la fosse septique du navire. Oh non! C'est la catastrophe! Je détecte une hausse de tension. Le repos est conseillé. Mon ami est en grand danger! Votre tension est montée à 18-12. Je ne peux pas vous laisser conduire dans cet état. Non mais... Mais c'est moi qui commande, c'est moi le patron ici, mais t'as compris? C'est moi qui t'ai conçu, non? Douche relaxante forcée. Rasmo, qu'est-ce que vous faites? Voulez-vous que je vous chante une chanson? Monsieur l'ordinateur de bord,
prépare-toi à retourner au cimetière des ordinateurs. Rasmo, je t'aime. À fond les bananes! Rasmo, enlève-moi cette prothèse monstrueuse immédiatement. J'ai peut-être un petit peu abusé, c'est vrai, j'avoue. Maintenant! Alors, t'as bien tout enlevé? Il reste plus rien? Désolé, vieux, c'est vrai, j'avoue, j'ai un peu pété les plombs. Mais on aura appris quand même une chose super importante. C'est que la sécurité et l'hygiène sont les deux mamelles de l'homme. Tribord, tout! Non, bah, pas bord! Je vous préviens, si ça continue, je vous rends mon goûter. Ça va, ils sont biodégradables, hein? J'ai pas besoin de ce lampadaire ringard dans ma salle télé. Merci, ça fait toujours plaisir. Je te rappelle que c'est le mien en plus. Ouais, forcément. Il sera bien mieux ici. Tu remets le lampadaire où tu l'as trouvé, à l'hôtel. Eh, tu fais quoi? Je fabrique une nouvelle machine qui transportera le fromage directement de la cale jusqu'à mon lit à l'autre bout du navire. Maintenant, sois gentil, remets cette lampe où tu l'as prise. Et ça, c'est quoi? Comme c'est intéressant. Ouais, encore une lampe que j'ai récupérée n'importe quoi. C'est exactement ce qu'il me faut pour ma salle télé. Tu reposes tout de suite. Il suffit d'enlever un peu la poussière. Hé, hey, tu te sers pas de mon super pull. Et voilà, elle est comme neuve. Quoi? Oui, je déteste les plafonds bas. Où suis-je? Qui ose interrompre ma sieste? C'est toi? Ou c'est ton petit copain? Ça peut être que l'un de vous. Comment il est balèze! À mon avis, c'est un génie, hein? Ah, j'ai l'impression d'être tombé sur une lumière. Non, t'es sûr, hein? Je pense que c'est un génie. Bon, puisqu'il faut y aller, allons-y. Vous avez droit à 3 vœux, c'est la tradition. Cela dit, étant donné que vous êtes 2, vous avez droit à 1 vœu chacun, plus un vœu que vous aurez à décider entre vous. Qui veut commencer? Moi. Alors, je fais le vœu de... Moi, je fais le vœu d'avoir 100 lampes comme celle-là. Désolé, mais ce vœu est en infraction avec le code des vœux des génies. Bon, alors je fais le vœu d'avoir 100 vœux? Très bien, alors s'il te plaît, 50 vœux, s'il te plaît. 25, 12 vœux et demi. Un seul. Je t'écoute, quel est le tien? Moi, ce serait d'attirer le fromage, d'être comme un aimant. Comme ça, je pourrais rester au lit, j'aurais qu'à attendre que le fromage il arrive vers moi. Ah bah, dis donc, t'as l'air vicieux, toi. Parfait, il en sera donc ainsi, puisque tu le demandes. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, j'ai l'impression que je suis en train d'attirer du fromage. Banana! Rasmo, le super aimant à fromage, il est là, c'est moi. Ah, c'est un peu original. Tu vas sentir bon, toi, te voilà exaucé. Ça y est, je sais ce que je veux. Je t'écoute. Alors moi, mon vœu, c'est qu'est-ce que tout ce que je touche, c'est que c'est du fromage.
Il me semble que vous n'avez pas la lumière à tous les étages. Qu'il en soit ainsi, puisque tu le demandes. Se transforme sur le champ en fromage. Sur le champ, j'ai dit que ce lampadaire ringard se transforme en fromage, si c'est pas trop demandé. Eh, ça marche pas, je te signale. Ouais, t'as pas inventé la courbure de la banane, toi. Il te faut toucher du doigt la chose que tu veux changer. Ouais, je le savais. Hein. Ça, c'est du cheddar. C'est parfait. Je vais m'en mettre jusque là. Voyons voir. Arrête de manger mes outils, hein. Hey, tu me rends tous mes outils que t'as mangés, tu les recraches. Hey, j'avais jamais remarqué, t'as une mèche blonde sur l'œil gauche. Va-t'en, dégage, recule, dégage, dégage, va-t'en, s'il te plaît. Défie-toi, ton pouvoir est grand. Tout ce que tu toucheras sera changé en fromage. Bon, ben moi, j'ai des trucs à faire. Rapido, tu reviens ici tout de suite, il faut qu'on parle. Mais j'ai pas envie de te parler, j'ai envie de te faire des cadeaux. Tiens, c'est le plus gros que j'ai. Génie, je veux plus être un aimant à fromage. Tu as voulu ce pouvoir, tu l'as, tu le gardes. On peut pas négocier. Alors, ça te va ou t'en veux encore plus? Pourquoi la force? Ouais, je suis devenu fromage man. Il vous reste le troisième vœu à faire ensemble. Je peux très bien le faire pour nous deux. Non, je crains que non. Ce serait en infraction avec le code général d'éthique des génies. Le CG... Article 23, alinéa 7. Je suis surpris que tu puisses faire une telle suggestion. Cela dit, j'oubliais que t'es un rat. Raciste! Tu sais ce qu'il te dit, le rat? Bon, là, j'arrête. Je vais aller me faire un petit tour de rat de bord parce que là, j'en ai marre. Bon, ben, voilà une autre paire. Et question de pilotage, tout est dans le doigté. Eh non, je vais le faire avec les pieds, c'est mieux. Aucun problème, ça va. Il faut se débarrasser de nos super pouvoirs. C'est beaucoup trop dangereux. La vie, elle était quand même nettement mieux avant, non? Tu ferais bien de réparer ma rat-board et en vitesse. Non, pas tant que t'auras pas renoncé à tes pouvoirs. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette pomme? Très marrant, je suis mort de rire. C'est un blindage antimagnétique. Avec ça sur la tête, j'attire plus le fromage. Tu vois, le pile de fromage à côté, ben, elle a pas bougé. T'as vu, il y a un verre dans la pomme. Non, s'il te plaît, non, touche pas, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, 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 non. Mais t'es fou ou quoi? T'es hyper dangereux, là, t'aurais pu me tuer. Tu vas réparer ma rat-board et je te conseille de faire vite. Parce que sinon... Sinon... Répare ma rat-board. Je suis beaucoup trop haut pour les attirer, beaucoup trop. Jamais je vais les attirer. Mais
Rasmo? Oh là 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 là! Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ouais! Eh, monsieur! Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Il vaudrait mieux que tu m'aies pas réveillé pour rien. Moi et mon ami, finalement, on a réfléchi et on voudrait comme avant. Ah oui, c'est vrai, je vous dois un dernier vœu, je me souviens. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce que tu veux, l'intello? Il s'agit du troisième vœu, hein, le dernier. Tu te rends compte que ton petit copain là, en deux bouchées, tu l'avais laissé régler. Plus de partage, tu fais le dernier vœu tout seul. Et entre nous, si tu veux mon avis de génie, fais le choix qui à la fois t'avantage et te nourrit. C'est mon pote, je pourrais jamais lui faire ça. Tu aurais dû y songer avant de le transformer en fromage. C'est toi qui en as fait ce qu'il est. Alors étouffe-toi avec, parce que moi je retourne me coucher. Oui, bah une seconde. Et qu'est-ce que t'en dirais si je me faisais un génie au fromage? Et oui, j'ai mon doigt qui marche toujours. Oh, quelle ingratitude avec tout ce que j'ai fait pour toi. Ah, tu me déçois beaucoup, tu sais. Mais puisque tu le veux, que tout redevienne comme avant. Ah, il sera beaucoup mieux ici. Remets ce lampadaire où tu l'as trouvé. Eh, qu'est-ce que tu fais? Je fabrique une nouvelle machine qui transportera le fromage directement de la cale jusqu'à mon lit, à l'autre bout du navire. Maintenant, sois gentil, tu remets cette lampe là où tu l'as prise. Oh, et ça, là? Mais qu'est-ce que c'est intéressant? Ouais, je sais, c'est la lampe intéressante violette. C'est vraiment des tarés. Trois vœux à deux, c'est pourtant pas sorcier. Oh, il faut que je m'en aille. Oh, vite, vite. Oh, oui, ma petite souris, oh, danse avec moi. Rasmo, mais qu'est-ce que tu fais? Mais n'importe quoi. Ma petite, tu fais des bisous? Mais non, c'est pas vrai, c'est des pourrigons. Ah, la honte, il aime la souris. Il aime la souris, il aime la souris. Maintenant, un peu de lecture sérieuse. Fini la crasse, fini l'été sans retrait, place au rinchement. Super nettoyage, man est là avec son grand bras avec des dents au bout. Attrape, ramasse et jette derrière. Tu peux me jeter ça, s'il te plaît? Attends, mais tu rigoles, mais attends, pourquoi tu le fais pas toi? Attends, mais t'as qu'à le faire toi-même. Mais non, monsieur est au-dessus de ça. Et Rasmo est là, alors pourquoi s'embêter? Tu comprends vite. Bon, t'as largement de quoi faire. Et moi aussi, je suis débordé. J'ai d'ailleurs rendez-vous avec mon miroir. Salut, Raz. Amuse-toi bien. Ça, c'est incroyable, je me suis encore fait avoir. Je déteste quand tu me fais ça. Oh. Michael Jackson lance une grande chasse au trésor pour retrouver son ombre. Il est trop fort, Michael. Une chasse au trésor, mais c'est une super idée. Ouais. Yo, 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 je suis le rat qui fait du rap. Yo, 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 rap, 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 pas fromage. C'est comme du fromage, c'est comme du rap, c'est le rap à fromage. Le, la solo de ma voix. La, la, la. Lorsque je mange un bout de fromage, je me sens comme un vrai roi mage. Oh. Hey, Rasmo, regarde un peu ça. Mais que me vaut la joie de ta visite? Regarde,
C'est une carte au trésor! Oui, ça ressemble bien à une carte au trésor, on dirait, avec des énigmes. Avec des énigmes, ouais! Celui qui saura résoudre ses énigmes, il est dit, découvrira d'immenses richesses. D'immenses richesses! Oh, je le savais! Rajmo, si tu m'aides pas à résoudre les énigmes, je te lèche les pieds. Ah, alors là, dans ce cas, je vois pas comment je pourrais pas dire non. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une blague? Non, Rapido, c'est comme je viens de te l'expliquer. C'est écrit là-dessus. Il faut que tu nettoies tout ce fromage si tu veux connaître la prochaine énigme. Et il y a d'ajouter qu'il faut que tout soit parfaitement nickel chrome. J'ai nettoyé tout le fromage et il n'y a pas d'énigme. Si ça se trouve, peut-être qu'il n'y a même pas de trésor. Si, Rapido, regarde. L'énigme numéro 2. Fais voir. Bon, allez, donne-moi ça. Oui, je vois, c'est de l'encre chinoise du Cambodge. Si je lis bien le texte, l'énigme suivante est cachée sous le papier peint de la cabine du capitaine. Elle va être toute belle, la décoration de mon atelier. Ici, ce sera bien. Hé, hey, rapido, j'ai trouvé le troisième message. Ouais. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Mais tu trouves pas? Elle est pourtant facile, celle-là. Il faut que tu dévisses les éléments de rangement de la cuisine. C'est là que tu trouveras la toute dernière énigme magique. Pas trop violet, mon violet? Et voilà, c'est quand c'est chaud à s'en brûler la langue que c'est beaucoup meilleur. Je vais chercher 2-3 patates. C'était une super idée, l'air de rien. Il me refait le stock de vis de mon atelier. Bon, alors, elle est où cette énigme? Il n'y a pas d'énigme. C'était juste une ruse pour te forcer à me donner un coup de main. Et il est là, le trésor. C'est toute une boîte de vis. Bon, très bien. Elle est où, cette énigme? Une patate, 2 patates, 3, 2, 1. Ah, aïe, ça brûle. Bon. Ouais, l'énigme, je l'ai trouvée. Derrière l'anneau d'or se cache la merveille, le plus somptueux des trésors, l'anneau d'or. Je trouve l'anneau d'or et fais ça. C'est incroyable que je suis intelligent, c'est bien simple, je suis un génie. Je suis plus génial que Einstein. Einstein. J'ai rusé rapido comme Einstein. J'ai trouvé l'énigme sur le mur, derrière les placards. Je vais tout te raconter depuis le début. En fait, il n'y a pas de trésor. Tu comprends? Regarde mes doigts, regarde. Hop, 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 il n'y a pas de trésor, tu comprends ça? T'as été bien manipulé. Et grâce à toi, j'ai pu tout retaper, tout l'intérieur, tout est impeccable. Tu crois vraiment que je vais gober ce tissu de mensonge? Espèce de petit rongeur. Mais t'inquiète, je vais le trouver, ce trésor. Et il sera à moi tout seul. Et avec, je vais m'offrir toute une collection de chaussures. Il est complètement malade. L'anneau! Il faut que je trouve l'anneau! Ah! Rapido! Qu'est-ce que tu fais? Je vais tout saccager sur ce navire jusqu'à que tu me dises où t'as caché l'anneau du trésor! Puisque je te dis qu'il n'y a pas d'anneau, il n'y a rien! Il a rien! Comme tu voudras. Je vais voir quel dommage je peux faire pendant que tu réfléchis. Non! Arrête! Arrête, rapido! Je te jure, c'est la vérité! Il n'y a pas de trésor nulle part, rien! Ouais, c'est ça! Casser, détruire, casser, dégommer, détruire, ranger! Mais il n'y a rien là! Où est-ce qu'il a bien pu le cacher? Hé! Hey, attends une minute! Ouais, Rajmo et son papier peint! Mais bien sûr, c'était pour cacher quelque chose! Oh non! Le grand nettoyage du printemps! Faut tout refaire! Aïe 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 aï
sainte clé de la Marie-Joseph de Sainte-Bois. Il est dans l'atelier. Ah, mon atelier, il l'a détapissé. Bon, alors, cet anneau, je t'écoute, où il est? Il n'y a ni anneau, ni trésor. C'était juste une blague, alors arrête! Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quoi? Hein? Il y a vraiment un trésor caché à bord! Ouais, c'est ça. Joue pas les idiots avec moi, d'accord? Mais attends, c'est un miracle! Rapido, on va être riche! Non, non. Moi, je vais être riche. Ah, d'accord, je vois le genre. Hey! Mais attends, tu donnes ça à un enfant de 4 ans, y a pas de problème. Il comprend tout de suite, c'est réglé. Et où est l'anneau? Je commence à perdre patience! Ah ouais? T'as de l'impatience, toi? Si t'en avais, t'aurais lu tout le message. Mais alors? Mais t'as même pas lu tout le message! Mais bien sûr, je l'ai lu! Oh la honte, il a pas lu tout le message! Tu me dis que tu as lu tout le message et tu l'as même pas lu! Mais c'est écrit là! C'est là l'adresse de l'anneau au milieu du plafond de la cuisine, il est nul! Hein? Je te disais, il est tombé du mur. Ah, j'espère que ça va tenir cette fois-ci. Ah, il tiendra, rassure-toi. Et maintenant, retourne à ta cuisine. Ah, je suis dans ma cuisine. Ce soir, fromage et patates. J'ai décroché le grelot. À moi le trésor caché. Oh, ça brûle les yeux tellement ça empeste. Ouah, ce fromage, mais qu'est-ce qui pue. Il est très 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 vieux, il y a des hiéroglyphes dessus. Regarde, mon Dieu, mais ça date de l'Égypte antique, c'est horrible. Benny, le capitaine. Oh, Benny. Ah. Oh non, il a succombé à l'odeur de ce... Ah, je dois sauver l'équipage. C'est une vraie infection. Mon trésor! Tiens, rapido! Et dis donc, on est passé à deux doigts de manger ce truc-là! En attendant, les poissons, ils dégustent un maximum! Ben là, tu vois, je crois qu'on l'a échappé sacrément belle. Un peu plus, on devenait vert. Oh, toute cette histoire, ça me donne envie de vomir. Tu voudrais pas vomir en chantant? D'accord. Yo, c'est moi, le super rappeur. Solo de boîte à rythme. La compte au tac, la compte au tac. Fromage, 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 fromage. Solo de triangle. Fromage, 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 mage, mage. Solo de mandoline. Mage, 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 m